Hallelujah. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alléluia. Hallelujah. Ce matin, tu es à la bonne place. You are in the right place. Tu es au lieu des bénédictions. You are in the midst of all the blessings. Amen. Amen. Comme on le sait, as we know, dans ce pays, in this country, 2016 est une année électorale. 2016 is an electoral year. Mais en Afrique, but in Africa, 2015 est une année électorale. 2015 pour des pays africains. Is the electoral year for many countries. Amen. 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 Et en période électorale, in this period of elections, les gens s'activent, les candidats s'activent. The candidates are active. Amen. Amen. Dans le but, in the goal, de charmer les électeurs. To charm the electors. D'avoir le vote des électeurs. Gain the votes from these electors. Amen. Amen. La Bible dit, the Bible says, que de ton continent, that from your continent, Dieu a cherché dans ton pays, God looked and searched in your country, dans ton pays, in your country, Dieu a cherché dans ta famille, God searched in your family, et il t'a trouvé, and he found you. Amen. Amen. Alors même que tu n'es même pas candidat. Yet we were not even candidates. Parce que tu n'aimes pas les critères pour être candidat. Because you didn't have the criteria to be a candidate. Tu étais voleur. You were a thief. Menteur. A liar. Infidèle. Unfaithful. Mais la Bible dit, but the Bible says, que malgré ces conditions, these conditions, Dieu God t'a élu. Has elected you. Dieu a voté pour toi. God has voted for you. Et ce matin, Dieu a fait de toi son enfant, God has made you his child, son élu, his elected one. Amen. Amen. Ce matin, le thème c'est this morning, the theme is élu de Dieu. The elected one of God. Amen. Amen. Jean 1, 12 nous dit, 1 John 1, 12 à ceux says, qui l'ont accepté, for those who have accepted him, à ceux qui ont cru en son nom, to those who believed in his name, la parole a donné le pouvoir, the word has given the power, de devenir enfant de Dieu. To become child. Amen. Amen. La parole a donné le pouvoir the power de devenir enfant de Dieu. Child of God. Amen. Amen. La présidence, the presidency, c'est le poste, is the post le plus élevé, the most elevated pour un politicien. For a politician. Le point de retien, quel est le poste le plus élevé? Which post is that? C'est de devenir enfant de Dieu. It is to become a child. Amen. Amen. C'est que Dieu lui te dise que tu es mon enfant. It's the God that's telling you, you are my child. Donc ce matin je m'adresse, so this morning I'm addressing myself à des frères et des sœurs que Dieu a élus, that God has elected, pour lesquels Dieu a voté, for which God has voted, malgré que aucun de nous ne remplissait les critères. We're filling up the criteria. Amen. Amen. Et ce qui est bien dans ce mandat, l'enfant de Dieu, as a child of God, ce mandat n'a pas de terme. Amen. Ce mandat n'a pas de terme. Amen. Ce mandat qui est garanti. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais ce pouvoir, but this power, quand on l'exerce, when we exerce it, il y aura des attaques. There will be attacks. Il y aura des troubles. There will be troubling. Il y aura des manifestations. There will be manifestations. Les fonctionnaires vont gréver. The civil servants will strike. Les étudiants vont gréver. The students will strike. Mais Christ nous rassure ce matin que nous sommes toujours victorieux. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Romains 8, 37 dit 37 que dans toutes ces conditions, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et ce matin, and this morning, the Bible says, malgré les conditions difficiles, that are difficult, dans le pouvoir que tu exerces en tant qu'enfant de Dieu, that you exert as a child of God, ce matin le Seigneur te rassure. This morning, the God reassures you, dans Lamentations 3, 22, in Lamentations 3, 22, les bontés, the goodness et compassion, and compassion de l'Éternel ne sont point épuisées, will never end, mais elles se renouvellent chaque matin. Yes. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Yes. Hallelujah. Tout comme un enfant nouveau-né, just as a newborn child, à son réveil, on his waking, il sait, he knows, que sa mère a réapprêté son biberon. Yes. Sa mère a réapprêté tout le nécessaire pour qu'il soit nourri, pour qu'il soit allaité. Amen. Amen. C'est comme ça Dieu fait de nous ses élus, does for ses us enfants. Has elected his children. Alors, il dit que chaque the matin, morning, les compassions, the compassion, et bonté de Dieu sont renouvelées. Amen. Amen. Ce matin, si tu as vu le jour, ce qui est passé hier est passé. Amen. Mais la Bible nous dit, sois conscient que à ton réveil, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées. Amen.
Ça veut dire que tes forces sont renouvelées. Tes compétences sont renouvelées. Tes opportunités sont renouvelées. Tes connexions sont renouvelées. Ta fortune est renouvelée. Amen. Parce que le privilège de Jésus n'est point épuisé. Ses réserves ne sont point épuisées. Exhausted. Amen. Amen. Enfant de Dieu. Child of God. Ce matin, this morning, sache que know that si Dieu t'a élu, if God has c'est elected pas par you, hasard. It's yes. not by Amen. Coincidence. Si Dieu a fait if un God choix, has made a choice toi, of you, dans ta famille, and in your family, c'est pas par hasard. It's not by coincidence. C'est parce que Dieu t'aime. It's because God loves you. Amen. Amen. En retour, ce qu'il attend de in toi, return, what he expects from moi, you and from me, c'est de vivre is to live selon ses principes. Based off his principles. Which are sont simple, élémentaires. Elementary. Amen. Amen. Et par l'Esprit de Dieu, and by the Spirit of God, tu vas exercer ce pouvoir d'enfant de Dieu. Powers as a child of God. Parce que l'Esprit te console. Because the Spirit l'Esprit consoles te fortifie. And fortifies you. L'Esprit te rassure. And reassures you. L'Esprit t'indique the Spirit ce qu'il faut faire to you ce qu'il what ne faut pas faire. You should do and what you should not do. But especially l'Esprit the Spirit te prépare à accepter les épreuves. These challenges. Sois béni ce matin. Be blessed this morning. Alléluia. Hallelujah. Ce matin, retiens this morning, que we take that tu es un élu de Dieu. You are an elected from God. Amen. Amen. Donc c'est un privilège. So it's a privilege. Amen. Amen. D'être appelé enfant to be de Dieu. A child of God. Donc, donc il faut entretenir ce privilège. Maintain this privilege. Il faut le maintenir. You must keep it. Amen. Amen. Parce que beaucoup vont t'envier. Because many will envy you. Beaucoup vont te détester. And detest you. Mais la Bible dit the Bible says que dans toutes ces attaques, in all these nous attacks, sommes we plus are que vainqueurs par celui qui nous a rachetés. Yes. Alléluia. Ce matin, soyez rassurés. Soyez convaincus que Dieu a fait le bon choix de nous avoir appelés à son service. Having called us to his service. D'avoir fait de vous ses enfants having made of you his children et ses élus. And his elected on n'a aucun mérite. We, without any these, merits, mais conscient but be conscious, du fait que Dieu nous a élus, be conscious of the fact that God has elected us. Mais c'est maintenant qu'il faut exercer ce pouvoir-là. You must now exert this power. Amen. Amen. Avec la force with strength du Saint-Esprit. Of the Holy Spirit. Nos forces seront toujours renouvelées et réactivées. Our strength will always be renewed and reactivated. Amen. Amen. On va finir par cette note d'humour. This. Amen. Il y a un verset qui dit à la croix, Jésus a tout payé. Alors il y a un frère so there's a brother qui devait 2 mois de loyer. Who owed 2 months' rent. Et son landlord est venu chez lui à la maison pour l'encaisser. And the landlord came to collect the rent. Alors il lui dit, il se dit, prends ce que tu me dois. To get what you owe me. Alors le frère chrétien so qui se fâche, il dit, je ne dois rien parce que je suis chrétien. I'm a Christian. Amen. Amen. Et il répond, and he answers, ne sais-tu pas que, don't you know that, à la croix, at the cross, Jésus a payé ma dette. Jesus paid my debt. Alléluia. Alléluia. Et ce même frère chrétien, and the same il est parti à l'église avec son fils de 10 ans. To church with his 10-year-old child. Et il dormait beaucoup pendant le culte, il dormait. And he was sleeping. Alors le pasteur a appelé le fils and the pastor called the son et lui a dit, au cours him, du culte, during the service, faut taper ton père pour éviter qu'il tombe. You shake your father so he can wake up and not donc, pour cela, je vais te donner $200. So for that, I will give him $200. Pour que t'empêches ton père de dormir. I'll give you $200 to prevent your father from sleeping. Alléluia. Alléluia. Mais le constat fait que le père continuait toujours à ronfler. But yet, he noticed that the father was still snoring. Alors, à la fin du culte, so at the end of the service, le pasteur appelle le jeune. The pastor called the young man. Et lui dit, bon, pourquoi tu empêches? Well, why? N'as-tu pas empêché ton père de dormir? Did you not stop your father from sleeping? Il dit, pasteur, he says, pastor, il m'a donné $200. You gave me $200. Il m'a donné $400. And il m'a donné $400 pour le laisser dormir. To allow him to go to sleep. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.